Des violences en réponse.
intégration en fomentant la logique de la violence, du conflit, de l'opposition, de l'arrogance comme forme de suprématie et d'affirmation de soi, d'agression verbale et physique. Comme au premier jour, la voix du tentateur se fait entendre, vous serez comme des dieux. Qui est comme Dieu? Répond Saint-Michel. Il y avait au cœur du jardin de la Genèse deux arbres. L'arbre de la connaissance du bien et du mal et l'arbre de la vie. La tentation originelle a porté sur le premier arbre. Si vous faites main basse sur le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, vous serez comme des dieux. Qui est comme Dieu? Dans une sorte de parallélisme diabolique, la tentation finale porte sur le second de ces arbres, l'arbre de la vie. Si vous faites main basse sur le fruit de l'arbre de la vie, vous serez comme des dieux. Qui est comme Dieu? Continue à demander Saint-Michel avec insistance. Au milieu de ces combats, les plus pauvres, les plus vulnérables, les plus fragiles, la vie naissante et la fin de vie souffrent. Ils en subissent les premiers, les conséquences dramatiques. C'est dans ce contexte que nous entendons aujourd'hui le livre de l'Apocalypse. Dans la tradition de l'Église, Saint Michel est la figure emblématique du combat contre le mal qui, de siècle en siècle, s'oppose au plan de Dieu. Qui est comme Dieu? Mais le livre de l'Apocalypse annonce surtout la victoire. La victoire contre celui qui n'en finit pas d'attiser le désir de toute puissance dans le cœur des hommes et des peuples. La victoire contre celui qui sème partout les germes de la division. La victoire contre celui qui semble étendre sur le monde l'ombre de la mort. L'Apocalypse proclame la victoire définitive, la victoire libératrice, la victoire rédemptrice dans le Christ Jésus, lui qui est déjà vainqueur. Dans le livre de l'Apocalypse, Saint Michel et ses anges, avec tous les saints, sont associés à la victoire de Jésus contre le prince des ténèbres. Ce qui paraît étrange, alors que cette victoire contre la puissance de Satan, cette victoire du Christ, cette victoire de l'archange Saint-Michel et de tous ceux qui lui sont unis, elle n'est pas le fruit d'un surcroît de puissance, d'une surenchère de force, ni d'un concours de
croix victorieuse de Jésus dévoile à nos yeux la terrible puissance de ceux qui s'en prennent à la vie de leur frère, à l'ordre de la nature, au plan du Créateur, au dessein de Dieu. La croix victorieuse de Jésus nous dévoile aussi et surtout la puissance plus grande encore de ceux qui donnent leur vie à la suite de Jésus sur tous les terrains où la charité est engagée, sur tous les chemins, sur tous les champs de bataille où retentit le cri « Qui est comme Dieu ?» Frères et sœurs, c'est à ce combat-là que la fête de Saint-Michel nous appelle pour le Christ crucifié et ressuscité. La séduction de la toute-puissance et la pente violente du monde pourraient nous entraîner à une surenchère du mal dans la guerre de destruction ou la haine de l'ennemi. Mais l'Évangile de Jésus nous exhorte à la sagesse de Dieu, plus puissante que celle du monde. Saint Michel nous appelle à mener ce juste et noble combat. Non pas le combat des hommes, manipulés par le démon qui les entraîne dans le désir de toute puissance et de division, mais le combat déjà victorieux du Christ Jésus qui nous dit au lendemain de la résurrection « Courage, j'ai vaincu le monde ». Certes, le combat de Dieu est exigeant. Beaucoup de nos contemporains le croient même hors de leur capacité. Ils ont raison, car le combat de l'Évangile ne peut se vivre sans la force de l'Esprit de Dieu. Ce n'est que le regard tendu vers le Christ, instruit par la parole de Dieu, nourri par la prière, recréé par les sacrements de l'Église, soutenu par le compagnonnage de nos frères, que nous traverserons l'épreuve qui nous est proposée, l'épreuve de ce temps que Saint-Michel, Sainte-Anne et la Vierge Marie nous viennent à l'aide au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Thank you.
Tout à grâce. Oui, merci à vous, chers amis pèlerins de Bretagne. Breton de naissance et de cœur. Oui, vous n'êtes pas resté exilé et reclus malgré le vent et la pluie de ce jour. Vous êtes venus des différents pays bretons et même de l'extérieur pour marcher, prier, chanter et vous fortifier. À l'occasion de cette deuxième édition de notre pèlerinage Fès et Vraise. Mais nous n'étions pas seuls, car nous étions accompagnés au creux des chemins parcourus par tous les saints qui ont évangélisé, christianisé notre pays. Père de la patrie, vieux saint de Pénélope, en allant à Saint-Anne, nous avons suivi le chemin du ciel. Et en plus, en ce 150e anniversaire de la dédicace de Scalazine de Saint-Anne, quelle grâce! Oui, Saint-Anne, Madame Saint-Anne, gardez la Bretagne pour toujours. Rappelez notre espérance au pied des autels, à la vision des péchés, à l'ombre de la mer. Je ne doute pas que nous ayons tenu beaucoup de grâce pour nos familles, pour notre patrie bretonne, pour l'Église qui souffre en ces temps de confusion. Monseigneur, quelle grâce, quel honneur, quelle joie pour cette messe pontificale que vous venez de célébrer à l'instant, à l'occasion de votre pèlerinage. Soyez certains que les marcheurs constitués en 8 chapitres au cours de ces deux jours ont prié pour vous, pour vos frères et frères et prêtres des diocèses bretons, ainsi que tous ceux qui œuvrent avec eux à la diffusion de l'Évangile de Christ. Monseigneur, filialement, nous vous redisons combien nous avons besoin de vous pour nous conforter dans la foi et en même temps nous soutenir dans la défense de celle-ci. Aussi, votre présence à nos côtés aujourd'hui, elle nous touche et elle nous engage. Soyez donc remerciés de nous donner des sacrements et de nous aider à mieux aimer et servir Dieu au service de la grande tradition de l'Église. Soyez assurés de notre soutien de laïcs, de fidèles du rang, de pèlerins de Saint-Paul. La jeune association de l'Église est bien décidée à poursuivre le chemin en s'appuyant sur nos trois piliers, mission, tradition, patrimoine local. Permettez-moi, en son nom, de vous remercier pour votre bienveillance fraternelle, mais aussi au rectorat de la basilique de nous avoir ouvert les portes de la basilique. Et nous avons été particulièrement touchés également de l'assistance au cœur du Père Lévique, si cher à nos cœurs. Et vous, chers prêtres, qui nous ont accompagnés, confessés, prêtres de César, prêtres de la Fraternité Saint-Pierre, de l'Institut du Christ-Roi, soyez assurés de nos prières pour vos apostolats. Merci à vous, chers sœurs et saints et sœurs de Notre-Dame de Fatima. Merci enfin aux chefs de chapitre, aux 40 bénévoles qui ont mis en œuvre la logistique et l'accompagnement des pèlerins. Chers amis pèlerins, oui, développons, je le redis, nos liens d'amitié. Soyons missionnaires, continuons à prier pour la Bretagne et ses enfants qui en ont tant besoin. Ô Jésus, gardez vos enfants sur votre cœur grand pour que demain, ils fassent beau à nouveau sur la Bretagne. Santez à l'âme, pédit et non, Jésus, guaris, or, pour Père. Saint-Anne, priez pour nous.
Ainsi se termine cette édition 2019 du pèlerinage Faith et Braise de Guénin à Sainte-Anne-d'Auray. Rendez-vous l'année prochaine pour le dernier dimanche de septembre. Evit Diben Sizun Diveza, Miss Gwen Golo, Kenavodor à Kenahenta.